Vendredi 18 octobre 2024, VOA Creole dans une nouvelle édition rendez-vous. Moi c'est Jean-Aubert Philippe, quelques grands points cap dominé actualité. Le président Joe Biden rencontré en Allemagne plusieurs leaders européens pour discuter sur la crise Moyen-Orient avec la guerre en Ukraine. Candidat qui n'ont pas de présidentielle là aux États-Unis continue de visiter l'État clé pour convaincre les électeurs indécis de voter en faveur de l'une ou l'autre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté une résolution pour renouveler le régime sanctions sur Haïti. Une autre fois qu'on a remercié tout le monde, on a débat avec nouvelle lieu au Conseil de sécurité des Nations Unies réuni vendredi 18 octobre là pour lui renouveler le régime sanctions sur Haïti. Valérie Saint-Louis, depuis Ville New York. Jeudi vendredi 18 octobre, ça, Conseil sécurité a réuni pour voter sur un projet résolution pour renouveler régime sanctions Nations Unies sur Haïti pour une année jusqu'à date 18 octobre 2025 là. C'est pays Équateur avec États-Unis qui t'ai écrit proposition régime sanctions ça sur Haïti. N'a rappelé que dans date 21 octobre 2022 en réponse à crise multidimensionnelle en Haïti, Conseil sécurité a adopté à l'unanimité résolution 2653 qui établit un régime sanctions sur Haïti qui gagne la donne, bloquer, freeze bien monde que sanctions yo visé, interdiction pour voyager avec tout mesi qui prend pour mettre embargo sous armes. Comité cap travail sous régime sanctions sur Haïti à travers résolution 2653 t'est rencontré récemment en date 11 septembre pour discuter sur rapport final comité expert. Rapport a été évalué que embargo zamio qui était imposé sur Haïti était inefficace, n'a empêché zam si qu'il est illégal dans pays, ça qui était alimenté violence gangio sous territoire national. Évaluation ça que expert t'est fait pour t'yo à soumettre un rapport provisoire by comité en date 1er mars là qui conclut que application embargo zam là sur Haïti était faible et li entravé par manque de ressources pour renforcer embargo zam là avec tout un manque de connaissances en détail de dispositions embargo dans mitan autorité nationale et régionale. Sous causé ça, VOA Creole t'est parlé avec un officiel dans le département d'État qui c'est Barbara Feinstein qui expliquait dernier mesi que les États-Unis prend sous causé trafic d'armes illégal. And we are taking very real concrete action. So since you and I spoke last year, nous prenons sanctions concrètes. Depuis là nous t'ai parlé année passée, vice-président Harris annoncé que les désigne un coordonnateur ZAM pour Caraïbes là avec focus à sur Haïti avec toute une unité d'investigation transcontinentale pour retracer ZAM illégal yo. Quant à régime sanctions Nations Unies pour yo, yo désigne monde qui engagé ou soit supporté activité criminelle à violence dans pays a qui impliquait groupe armé avec réseau criminel, réseau malfaiteur, monde qui supporté trafic illégal ZAM avec matériel qui gagne rapport avec trafic ZAM, monde qui empêchait livraison assistance humanitaire en Haïti et puis qui attaquait ou soit bail support pour attaquer personnel avec local mission à coopération Nations Unies dans pays a. Dans date 27 septembre passé, comité régime sanctions en bas résolution 2653 sur Haïti a été approuvé désignation de l'autre monde en bas sanctions yo. Youn nan deux moun sa yo, c'est Elan Luxon, leader gang Grand Griffe là, qui était responsable d'une attaque motel jour 3 octobre là dans ville Ponsondé qui était tué au moins 115 moun. Deuxième nan c'est Victor Profane, un ancien membre parlement haïtien qui était soi-disant participé dans trafic d'armes. Pendant que comité régime sanctions déjà sanctionné 5 autres leaders gang, Victor Profane, c'est premier monde qui désigné par sanctions Nations Unies qui dans classe politique haïtien. Et jodi a Conseil sécurité Nations Unies fait voter renouvellement régime sanctions ça pour date 18 octobre 2025. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Militaire Amasio confirmé leader groupe la mouri pendant une opération force israélienne menée dans territoire Gaza. Sans la lumière pour plus de détails. L'armée israélienne a publié une vidéo vendredi que les dit capter moment côté un tank t'est tiré sur un building côté leader Hamas là, Yahya Sinwar t'est situé. Force défense Israël l'a dit, élimination en vini après plusieurs mois opération côté IDF là, t'est coopéré avec ISA et puis 162e division l'armée hein, pour mener opération contre brigade Rafah Hamas là et puis bataillon Tel al-Sultan. L'armée israélienne partager tout vidéo troupes cap opéré dans zone côté yoté touyé chinois. Pendant ce temps, en Allemagne, côté président États-Unis Joe Biden a fait une visite, chef d'État a dit qu'il y a une opportunité qu'on y a pour y camper dans le conflit. There's an opportunity, in my view, and my colleagues agree. Il dit qu'il y a une opportunité dans l'opinion PAM et collègues moi d'accord que nous avons probablement gagné une entente entre Israël avec Iran de façon qui campait conflit à pour un temps, c'est-à-dire suspendre Hingham. Nous croyons qu'il y a une possibilité pour travailler sur un cessez-le-feu dans le Liban. La plus difficile, passer Gaza. Mais nous d'accord, il faut qu'il y ait un résultat.
Pendant ce temps, dans le pays voisin Yémen avec Jordanie, plusieurs milliers de monde te prend la rue vendredi pour montrer solidarité pour les Palestiniens qui vivent dans Gaza et puis tout pour réagir sous la mort leader Hamas. Là. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Président Joe Biden fait une visite bride sous coup en Allemagne, côté de discuter avec quelques dirigeants européens sous crise là, dans le Moyen-Orient, avec guerre en Ukraine. 16, François Michel. Président des États-Unis Joe Biden exhortait l'Occident vendredi 18 octobre là pour lui supporter l'Ukraine contre l'invasion de la Russie. Le moment Kiev a fait face à une saison hiver malouque et pendant tout, il y a une élection présidentielle qui a venu et qui soulevait inquiétude. Pour qu'on ait si Washington lui-même intéressait tout bon pour faire seulement de l'Ouest l'affaire. Biden a parlé avec reporter avant de faire chita causer des portes fermées avec chancelier allemand Olaf Scholz pendant un voyage Biden pour un jour dans Berlin en Allemagne. Biden a parlé avec journaliste de ça l'a réglé sous question Moyen-Orient. Il dit gagne opportunité dans l'opinion par mes collègues, on est d'accord que nous qu'a seulement parlé avec Israël et avec Iran, y a façon puis y a mettre fin à conflit pour un certain temps. Mettre fin à conflit qui donc mettre fin à aller venir qu'a fait là, dans tomber les veines relations entre deux pays. Nous pensons que gagne possibilité pour nous joindre y a un suspens de bataille dans Liban, ça qui pourrait le plus difficile dans Gaza, mais nous d'accord que faut gagner un résultat qui donc ça qui pourrait le passer. Un jour après pause là, dans bataille. Biden, dans visite li dans ville Berlin, dit journaliste, li gen compréhension sous qui jan a qui l'est Israël pour répondre à attaque missile Iran. Mais li pas te vle bay détail. Serge François Michel, VOA Creole. Candidat qui a participé dans l'élection novembre 2024 là, a une position différente sur légalisation ou pas ZAM fin de foire aux États-Unis. Marius Pierre a une position quelques électeurs dans Wisconsin, un état clé qui est capable de décider vainqueur élection. I am in favor of the Second Amendment. Petit garçon Frank Simorelli, Kendem, a acheté 3 ZAM à feu légalement dans Milwaukee, dans l'état Wisconsin, avant d'être utilisé un autre. Pour tirer tête li en décembre 2022. T'es perdu la vie li 5 semaines plus tard. Papa Kandem, t'es venu un défenseur pour pi bon genre vérification. The stack of records that he has Frank Simorelli, il dossier lié en l'hôpital là qui a plus passé 6 pouces épaisseur. Le lit a acheté aux âmes, personne pas de gadil, et lit a dit pour dernier des cas de là, lit a menacé tout y tête li. Suicide examen aux États-Unis t'es arrivé dans un niveau record en 2023. 27 300 monde t'es prend propre la vie au. Le servi avec une arme à feu, d'après données provisoires Centre pour contrôle et prévention maladie. Yo attend à ce que mesure sécurité ZAM pis serré, si Morelli pour le voter dans novembre, pour démocrate yo qui te fait problème dans yo priorité campagne. Électeur Wisconsin avec entraîneur ZAM à feu, Eddie Silas, comprend nécessité pour loi ZAM, mais il pas en faveur loi qui puisse s'éveiller ou imposer yo. Criminals, criminels, même terroristes, yo, pas prendre soin de crime à l'application loi sur ZAM. Il donc tout ça lui fait, c'est mettre restrictions sous droit nous comme propriété ZAM pour nous capable protéger tête nous et famille nous. Nick Matusowski dit, à loi sous ZAM qui puisse s'éveiller, yo qu'a sauvé la vie à qui fort anti-violence qui pas partisan. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. C'est avec un grand point cap de mon actualité à ce plan international. L'entonné, nouvelle sous pays d'Haïti. Membre conseil électoral provisoire qui incomplet prêté serment 48 heures après une délégation au niveau administration américain qui a visité Haïti côté rencontre des dirigeants haïtiens pour dire mettre intérêt pays à sous tête intérêt personnel. Yo. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. C'est Schneider Adeli, secteur Vaudou, Nemrod Zanon, secteur syndical, Florence Mathieu, secteur universitaire, Patrick Saint-Hilaire, secteur catholique, Jacques Desrosiers, secteur La Presse, Ak Peterson Pierre-Louis, secteur protestant, qui prêtait serment devant la Cour cassation jeudi vendredi 18 octobre 2024. Une cérémonie qui déroulait en présence Conseil présidentiel transition, Premier ministre Garry Conille avec quelques membres dans le cabinet LIA, quelques représentants dans le parti politique dans la vie nationale PIA pour citer ça seulement.
dans discours circonstance là en président de la Cour cassation Jean-Joseph Lemoyne lui m'a dit ensemble avec conseiller électoral provisoire pour travailler en toute indépendance une façon pour capable gagner une élection crédible et honnête qui fait en temps pays. Vous devez aussi faire preuve d'impartialité en ce sens que tous les partis aux prochaines joutes électorales doivent être traités avec équité sans consentir un avantage à quelques groupes d'intérêt ou de tendance politique. Souvent pas président conseil transition Leslie Voltaire qui était prend la parole tout dans ces circonstances là lui même lui dit que et prestation serment qui réalisé journée aujourd'hui c'est un pas vers la démocratie et c'est un pas tout vers réussite pouvoir transition dans ce ça lui promet pour KPTA lui même accompagner et KPA dans travail qui a gagné pour réaliser. Toutefois, nous devons dire que la cérémonie si là, n'est pas faite dans le bâtiment qui logeait la Cour cassation par rapport avec coup d'âme qui a chanté dans le périmètre là. Eh bien, c'est dans l'école magistrature qui s'est fait que la cérémonie ça lui-même était déroulée. Dans notre nouvel conseil présidentiel transition, a mandé pour le ministre Gary Conny pour le faire passer main dans le cabinet ministériel là, avec possibilité pour le remplacer trois ministres. Parmi eux, ministre Affaires étrangères avec culte là, Dominique Dupuis, Emmanuel. Dans une correspondance li adressée à Premier ministre Gary Conny, Conseil présidentiel transition invite l' engager rapidement un remaniement ministériel. Objectif de massage, c'est répondre à attente citoyens dans le cadre construction nouvelle Haïti. Demande ça fait suite à réunion mardi 15 octobre là dans Villa d'accueil. Côté pendant réunion ça, Conseil présidentiel là terroué 4 premiers mois gouvernance Premier ministre Gary Conny qui selon lui-même pas réglé rien sérieux. CPT a insisté particulièrement sur réorganisation trois ministères clés, ministère Affaires étrangères et culte, ministère Défense et ministère Économie et Finance. Ajustement ça a jugé nécessaire pour renforcer efficacité gouvernement dans un contexte transition qui est difficile. Demande remaniement ça a tout vini dans un climat côté diverses voix à pleuver dans la société a pour demander révocation trois membres conseil présidentiel qui gagnent accusation sous deux dans le scandale corruption BNCA selon information Unité Lutte contre Corruption. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Dans notre nouvelle, ministre Affaires étrangères haïtien Dominique Dupuis, qui en même temps c'est ministre haïtien qui vit dans la diaspora, dit autorité par contre décision gouvernement dominicain prend pour lui déporter haïtien qui vit sous territoire sans document légal, mais lui demande pour opération respecter les normes. C'est diplomatie haïtien, t'es à parler à collaborateur nous, Jean-Thierry Augustin, pendant qu'il a visité Washington dernièrement là. Partout, il y a à l'unanimité le constat que ça n'a pas décrit, hein, c'est pas décision, mon président élu démocratiquement pour le gérer pays, le jeune vle. N'a pas décrit condition, je ne décide faire là. Et ça n'a pas demandé à l'éclair. Vous voulez déporter mounio? Soit. On va respecter, point côté au cas déporté. Parce que, vous m'en gentil, qui ça nous fait? Qui ça nous fait? En plus, j'ai écrit, au lendemain de annonce là, moi, comme ministre haïtien vivant à l'étranger, moi, convoqué en réunion d'urgence. Avec ministère affaires sociales, avec ministère affaires étrangères, avec ministre délégué aux affaires humanitaires, avec OIM, avec ONM, avec l'ONU, avec UNHCR, avec toutes sortes de partenaires qui ont accompagné nous et qui étaient présents au lendemain pour que nous gardions premièrement diagnostic capacité nous. Jusqu'à combien de monde nous avons accueilli? Je dis nous, jusqu'à présent nous arrivons à 6500, 7000, mais le problème, non, madame la ministre, c'est que moun yo 50% moun yo nous pas recevoir dans deux points côté nous pari nous recevoir dans les côtés que nous pas avoir accès à yo. Donc ça nous mandé c'est que respecter deux points pour que moun yo gagne un point de chute que nous même nous pas augmenter capacité à travers financement et équipement pour que point ça yo qu'arriver à 10 000 moun. Donc c'est pour me dire nous que nous avons une approche pragmatique côté que nous a demandé des engagements qui réalisables et qui ta permettent nous qu'à respecter au moins dignité d'accueil. Deuxième bagaille, respecter horaire là. Parce que l'on a blagon ti moun 5 ans à 2 heures du matin, qui sak pour rivel? Qui moun ki pou tan li? Kote pou l'ali? Tandis que si ou preveni nous que c'est dans le sa yo, que nous même nous ka gen yon capacité effective, gen yon certain mitigation de risque lan que nap ka fait. L'autre bagaille là, faut voye liste moun yo pour nous. Parce que aujourd'hui nous connaissons, nous avons des rapports qui peuvent confirmer, mais
nous déjà qu'à constater que il y a même dominicain qui fait partie de déportation parce qu'il y a une mauvaise pigmentation. Il y a américain, il y a jamaïcain, tout le monde c'est son tsunami qui passe par mon yo et qui fait yo victime de même sort là. Qui ça pour nous-mêmes nous faire avec un ressortissant l'autre pays qui atterrit dans frontière nous qui pas gain aucun repère qui pas gain aucun. Donc c'est une situation diplomatique pour nous gérer plus que ça. Au niveau humanitaire, qui ça pour nous faire un pays qui est au bord de la crise pour que nous absorber flot ça de personnes, c'est pas parce que c'est des ressortissants haïtiens, non parmi lesquels les personnes qui n'ont jamais mis le pied en Haïti qui fait l'autre bois, tout repère yo investissement yo, famille yo l'autre bois. Donc il y a un effort majeur que nous devons déployer, mais ça me devait rassurer, c'est que nous conscients de lui et que nous activer lui. Rendez-vous, programme VOA Créola qui passe chaque jour, sorti lundi pour arriver vendredi à 4 tapants, le Washington, le Port-au-Prince. Cellule contre corruption organisée une conférence débat dans l'occasion 174 ans anniversaire naissance Antenor Firmé. Où est-ce que tout ça? C'est plusieurs dizaines de citoyens dans la société civile haïtienne, élèves l'école, étudiants, universités, qui participait dans le débat ça, qui déroulait sous cause, conséquences corruption en Haïti, avec avantage, loi haïtienne sur corruption. Professeur Jean-Adouin Esther Louchal, coordonnateur cellule contre corruption en Haïti, qui te débatte thématique, cause à conséquences corruption, dit c'est corruption qui empêchait pays d'Haïti développer. Ça peut être qui s'en a plus contre la corruption. Corruption, c'est un cancer, comme on dit déjà. C'est un cancer contre le développement national. C'est un cancer contre l'éducation. C'est un cancer contre la santé. C'est un cancer contre et la nutrition. C'est un cancer contre tout domaine qui n'a pas eu. Parce que nous, conséquent, effet corruption, il va faire d'autres politiques. Il va faire d'autres sociales. Il va faire d'autres économiques. Il va faire d'autres culturels. Corruption, pas voulu voir aucun domaine dans le pays. Et ça, que mettait pays en état, ça. Et ça qui va lier l'insécurité. Et ça qui fait nous pas jamais qu'à construire l'État. Parce que l'État est toujours corrompu. Deux participants sérieux, étudiants en sociologie et sciences économiques, Franz Sinob et Dieudonné Wilson, considéraient Jean-Auguste Antenor Firmin comme plus grand intellectuel histoire politique haïtienne que jeune Jodia a dû adopter comme modèle pour combattre la corruption dans le pays. Je dis alors, on pas gagné l'école. Ou pas gen l'hôpital, ou pas gen santé. Son bande nèg qui bote l'argent l'État pour yo. Yo pas fait ça yo ta dwe gen pour yo fait. On par exemple, dans le département de Grand-Anse, nous avons un programme côté l'État dit a accompagner, subventionner parents pour l'école. Pas même gen 10 moun qui jwenn l'argent ça non. Non seulement conscientiser moun yo, mais combattre corruption qui c'est un pi grand fléau que n'a vive en Haïti jounen jodi a la, qui bay tout ça n'a bay comme tout ça qui bay comme impunité. Que ce soit moun pas gen l'école presque pas gen université dans pays a et aussi majorité population qui vivent dans la crasse qui vivent dans la misère. 18 octobre 2024 ça fait Antenor Firmin 174 l'année depuis l'été prend naissance. L'été prend naissance c'était une date 18 octobre 1850 et il était mort 19 septembre 1911. C'était un ancien ministre finance commerce ak affaires étrangères dans le pays d'Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Famille qui sorti dans plusieurs organisations, ou bien femmes qui sorti dans plusieurs organisations, à travailler ensemble pour permettre et programme alimentation mondiale à distribuer manger par la communauté, surtout dans l'école, dans l'autre département. Gia Maxino, depuis Ville-Cap-Haïtien. C'est ici là, dans Dondon, un groupe de femmes qui est regroupé dans 15 organisations paysannes à travail depuis environ 2 années dans 20 dirigés que le programme alimentaire mondial PAM offre à quelques écoles dans le département nord, nord-est et centre pays. Travail ça sorti dans plusieurs localités dans Dondon, yo content pour l'initiative ça qui selon yo a valorisé production locale là. Si nous yo qu'on a pour aller l'école par en relevé ou pas gain hein pour ba yo. Et puis pendant qu'on est à jeune manger l'école là, yo aller avec un cœur content. Mais si les pas gain manger a, si nous yo qu'on a pour aller qu'on décourager qu'on a prier les pas gain manger pas un comme pour nous ba yo.
pendant le projet à venir, nous-mêmes, et puis nous-mêmes, par un autre projet à faire nous bien. Les nous venons dans le travail là, nous jeunes petits comme l'école, nous jeunes petits comme nous aider tout le monde. Mais les pas de ça, nous te presque pas comme ça pour nous te faire même dans le pays là, dans le moment là, projet à aider ni parents, ni petits monde. Ministre de l'Éducation nationale là, professeur Antoine Augustin, qui te font coup de pied dans le triage d'Ondoan, pas caché contentement li. Li fait qu'on est, ça pour le faciliter, petits monde joignent, yon plat manger. Chaque jour dans l'école. Yo. Nous sommes un partenaire stratégique pour le ministère pour alimenter l'école yo en manger. Parce que nous disons déjà dans toute intervention, si le monde qui va manger va apprendre, et que l'État a travaillé pour mettre en œuvre la politique nationale de l'alimentation scolaire. Il y a un problème à étudier pour faire face, c'est les affaires grand goût. Haïtien grand goût. Selon le programme alimentaire mondial PAM, pour l'année académique 2024-2025, là, environ 89 000 timons pour le joindre manger dans l'école avec les produits locaux. Jira Maxino Cap-Haïtien pour la Fête d'Amérique. Acteur haïtien Jim Jean-Louis parlait de la ville dans un livre publié Fontaine Redem depuis Ville-Paris. Acteur cinéma haïtien Jimmy Jean-Louis, cap évolué dans Hollywood, fait succès dans le premier vente signature livre personnel que li écrit qui intitulé Héo. Livre ça retrace vie Jimmy Jean-Louis, misère qu'il passait dans la ville et succès tout que li connaît. Moi toujours apprendre à accepter toute situation et puis au moins apprendre de situation yo. Donc pour moi, les moins délivrer un récit de parcours moins, m'étais le plus transparent que possible, m'étais parler de toutes belles choses, mais surtout de tout ça qui fait vin Jimmy Jean-Louis. Et ça qui fait vin Jimmy Jean-Louis, c'est un pile travail et travaillant aux jeunes dans souffrance, travaillant aux jeunes dans par exemple vin SDF dans Paris, forcé vin voyager à droite à gauche pour essayer chercher la vie meilleure. Côté que me grandit, non, caille, côté qui pas de gain de l'eau courante avec électricité. Donc ça aussi, c'est réalité. Oui. Donc je ne vais pas cacher ça non plus. Donc je devais vraiment montrer mon yo qui chemin qui était fait pour mener côté mien. Hein. Sans que je ne pas vraiment marcher mon yo parce que c'était un chemin qui était difficile mais possible. Continue livre roi joué non succès raisonnable livre van compaté chaud public là t'es profité fait acteur à signer livre et passer un moment agréable avec acteur à tout pour un pile monde qui était là c'est un devoir pour yo t'es capable faire déplacement hein? Vin supporter Jimmy Jean-Louis vin supporter culture et littérature haïtienne. C'est cet acteur que j'apprécie particulièrement et je trouve que c'est un exemple pour les haïtiens. L'opportunité de voir Jimmy Jean-Louis et lire aussi son recueil, c'est quelque chose pour moi, je pense que c'est une opportunité, c'est une chance. Même parce que c'est très important pour moi là à soir parce que n'a pas suivi, me passer tout haïtien. Quel que soit à côté lié à qui a une possibilité, toujours absurde Jimmy Jean-Louis parce que c'est un exemple. Jimmy croit que chaque monde doit goûter pour sortir héros qui la caillouwa. Souffrance, pas vas-y, on fait en soi. Jedemson Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. Ou bon cheveu à Créole, Capemètre depuis Washington DC. Jeudi à ce vendredi, c'est jour Jude on s'est présenté nous, ça qui a passé dans le monde HMLA depuis Miami, Floride. Musical Lucky Plus Strings and Steel qui c'est un jazz avec trois musiciens haïtiens qui ont joué compas direct était en performance le week-end passé dans la ville Jupiter, État Floride. Pour ces petites et Raymond Cajus qui passait de présentation dans la musique haïtienne. Nous connaissons Raymond Cajus, ancien chanteur et Bossa Combo qui marquait la musique haïtienne pendant plusieurs années. Est-ce que comment Raymond Cajus influencé au point dans la musique? Bon, et tout influence moi et c'est papa qui fait m'aimer musique parce que m'grandis dans environnement et musical. Ça veut dire m'grandis, m'joue un instrument la caille moi, bossa combo te qu'on répéter en face la caille moi. M'bat gagner comme des cap faire. Bon, puis c'était mon cas juste nous t'attendre à ce Noël cap chanter. Même moi c'est qui bord jouer.
m'essayer chanter là parce que papa m'essayer faire chanter, m'essayer faire jouer guitare. Même vin m'tomber d'amour pour piano et ça fait mal dans ouais ça. Bon maintenant un groupe comme ça, est-ce que nous jouons presque chaque week-end? Est-ce que nous faisons production tout? Comment ça est dans ça? Oui, nous avons un album qui va sortir très prochainement. Nous avons un album qui est sorti après la pandémie en 2020. Nous avons un album qui est sorti en 2020 après la pandémie. Nous avons l'autre album qui va sortir. Nous n'avons pas fait tourner, nous avons fait tourner en Haïti, mais nous venons bloquer, nous n'avons pas continuer. Mais nous sommes très actifs. Lancé de l'établissement étranger qui apprécient le style de musique que nous jouons parce que nous jouons variété musicale. Nous jouons, nous bâillons au compas, nous bâillons au troubadour, nous bâillons au soca, nous bâillons au reggae, nous bâillons au rock'n'roll, nous bâillons tout le bagaille. Pour toute nouvelle, sauvez d'être dans HM Island, non pas, c'est juste de on se réprouver au créole, Miami. Eh bien bon, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Oui, mes amis, bonne nouvelle qui domine l'actualité, c'est surtout le Conseil de sécurité des Nations Unies a passé une résolution pour le nouveau régime sanctionnel sur Haïti. Et puis, le gouvernement a installé un nouveau conseil électoral provisoire qui est incomplet avec la résolution du Conseil de sécurité à Jean-Saud Doulala. C'était grand point de la domination. Moi, c'est Jean-Philippe Cap, salut nous depuis Capital Fidèle, Washington DC. Et Cap, dis-nous, passez un bon week-end, tout le monde. Merci pour l'attention. Moi, c'est Jean-Bert Filet. Pour que vous compreniez et mettez dans la dimension pour vous compreniez ce que je vous dis là. Nous allons analyser la déclaration que Philippe fait. Jeudi 17 octobre 2024 là qui marquait 218 l'année assassinat Papa Nation et côté que Philippe dans manif qui t'a organisé dans grand espace dans Jérémy précisément monsieur dit clairement que système nan, qui gagné de tchoul qui a servi système nan et yon mette ensemble pour yon fait violence sous peuple nan. Yon mette ensemble pour yon fini avec jeunesse nan. Yon mette ensemble pour yon craser pays nan. Yon mette ensemble pour yon augmenter misère souffrance peuple haïtien. Yon mette ensemble pour yon rendre Haïti pays sa. Li son pays qui invivable. Yon mette ensemble pour rendre que Haïti vive situation que la connaît là. Yon mette ensemble si vous faites pays ça, vin tourne sale, tourne jeune jeudi. Il dit peuple haïtien, faut le camper et faut le goumer avec système nan. Faut le goumer avec petit système nan. Faut le goumer avec tout le système nan. Et si c'est zambou yon prend, parce qu'il a fait violence sou yo, et bien peuple la prend zam ni tout, pour qu'il fait violence sou yo en même temps tout. Gyan pile débat fait tout ça. Gyan pile acteur qui réagit sous ça. Gyan pile moun qui parle sous ça. Et gyan moun qui dit de Guy Philippe, songez bien, 2004, pas 2024. Et pas oublier, en 2004, c'était ancien président Jean-Bertrand Aristide qui était au pouvoir. Laisse ça. L'on te mobilisé pour te renverser Aristide. Et je dis, hein, dans le cas où vous avez mis le mélo qui paye après là, avec KPT et PPM Gaïkouni, eh bien, actuel coordonnateur KPT, hein, lycée Leslie Voltaire, lycée un gros membre directoire, famille Lavalas, qui donc, c'est comme quoi, c'est même bataille là,
qui a refait la bataille 2004, mettez bataille 2024 là. Nous allons analyser ça. Nous allons essayer de regarder tout. Bataille qui existait entre KPT, conseiller président, yo, avec Premier ministre Gary Conny. Je dis en blé que chaque monde comprenne. Ni KPT, ni Gary Conny, les que nous blendons yo tout ensemble, les que nous mettons yo tout ensemble, yo youn pas réglé en insérié. Est-ce que nous le samedi? Ni conseiller président yo, ni premier ministre Gary Conny mettez avec tout reste gouvernement là, les que nous mettez yo tout ensemble, yo youn pas réglé en insérié dans intérêt peuple haïtien. Parce que bataille pour changer ministre dans gouvernement Conny là, à qui ça s'apprête-t-il le pays? Est-ce que ça va aider notre décitirer, notre dénicher, notre démanteler bandits armés? Est-ce que ça va camper dans massacre, dans assaut que bandits vivent ensemble a fait sous Mounsolino, Taba 27, Ponsonde, en de pays, Gressier, Léogane, Peigné Torsel? Est-ce que ça va camper sous ça? Est-ce que ça va permettre que moun kap viv nan zone sa yo ke yo pral rale yon souf? Est-ce que ça pral permettre ça? Est-ce que ça pral rendre ça? Oui. Parce que faut me konnen. Parce que jodi an la, quel que soit confrère consoeur kap pran position, soit bon côté KPT, soit bon côté gouvernement Conny, jodi an en nous conscient à tête nous, est-ce que nous ni KPT ni Gary Conny avec tout reste gouvernement là, est-ce que yon kon bagay série à régler là? Non mais qui ni pour ça? Est-ce que ni KPT, est-ce que ni gouvernement Conny là, est-ce que yon kon bagay série qui a régler dans moment? Quel que soit confrère, consoeur, qui a pris position, soit pour KPT, soit pour Gary Conny, est-ce que nous avons un bagage sérieux à régler? D'ailleurs, l'homme était ni KPT, l'homme était Gary Conny, l'homme était dans l'ensemble, il y a 6 mois. Il y a ça, c'est 6 mois là. Dis qui ça comme plus gros bilan que vous avez présenté pour vous? Ndame ken répond. Dim ki sa comme pigou bilan ke ou ka présenté ni pou ka pété et ni pou gouvernement Conny lan. Pendant 6 mois ke yo tout les dég alors pendant 6 mois yo tout les dég là dans tête pays an, dans l'ensemble. Parce que Conny ge 4 mois en dedans 6 mois et ka pété ge 6 mois lui-même. Que le gars de 6 mois deux têtes exécutives là, qui ça selon même bilan yé, qui ça ouais visiblement et qui ça ouais palpable que en termes de travail ni KPT et ni Gary Conny comme chef gouvernement. Ndame ou dim et ndame montre m ça. Ndame ou dim et montre m ça. Qui ça ouais bilan yé jodi? Zéro. Zéro. N'est que goumé et flané, peut de voyager, parler en pile, en yin sérieux, yon pas réglé. Moi, ça m'a dit, y'a pas fait moun bien, non? Est-ce que je dis à problème, non? Lycée Dominique Dupuis. Est-ce que je dis à problème, non? Lycée Gary Conny. Est-ce que je dis à c'est KPT, hein? Est-ce que je dis à lycée classe politique, là? M'a dit en entier, lycée tout ça que me dit là yo, parce que yo tout yo c'est choule yo c'est reste avec système nan qui instauré yo là, système nan qui mette yo là, et yo vinn fè travail met yo.
yo fin fè travay met yo, yo fin fè travay tchoul yo, ki se États-Unis, ki se Canada, ki se la France, ki se la communauté occidentale, yo vin fè tchoul yo. Parce que je dis, an gade bien, je dis, an comprenne bien, au lieu que conseiller président yo, au lieu que gouvernement koni la, yo ta di tèt yo ki ensemble pour que yo gade comment yo capable résoudre un ensemble de problèmes, comment que yo capable agir, ok, yo capable agir sur un ensemble de problèmes. Au lieu que vous pensez sur ça, ouais que je dis, hein, vous préférez, ok, vous préférez ces questions passer maintenant au gouvernement, vous préférez, c'est ouais, tel ministre pas capable, vous préférez, c'est ouais, que je dis, hein, que tel ministre doit tomber. Alors que si que n'a pas aller ni capété, si n'a pas aller ni koni avec tout le gouvernement là, n'a pas aller de Gérard Monomil, n'a pas aller la Médaïti, n'a pas aller mission, yo tout ces zéro barré, yo tout ces zéro barré. Zéro barré que tout apprend. Et m'a dit, mais un monde qui n'a commenté émission ça, qui a eu courage pour dire blaise, mon cher, m'a bay kapete à temps, m'a bay koni temps, m'a bay la police temps, m'a bay la metan, m'a bay mission temps, m'a bay sou ki base. Dim sou ki base, que si jodi an la, ou a bay un not, ou a évalué équipe et ki la yo, ou a bay un not, dim sou ki base. Imagine aujourd'hui, hein, trois conseillers, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Bettiller, Smith Augustin, trois conseillers impliqués dans le scandale corruption. 100 millions de goudes. Il y a quatre crédits. Il y a acheté. Ou qu'on nous par exemple, là où on a grand goût, là où on a grand goût. Et puis, les gens nous mangent. Regardez, les moutons sont mangés avec un rail. Les mangent, les mangent, les mangent. Jusqu'à ce que manger ka déranger. Ou dis-moi ce que manger ka sivokil. Mais c'est comme ça. Trois conseillers, ça yo. Emmanuel Bettiller, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles. Dans la question 4 de crédit qui est baillon, que ancien président BNC, qui c'est et Raoul Pierre lui que nèg yo déchepillé 4 lan tellement nèg yo acheté. Et puis je dis, hein, gen une institution étatique en dans pays, hein, qui est le ULCC qui tande trois conseillers sa yo, et ULCC produit rapport et dit que trois conseillers sa yo, oui, yo impliqué dans scandale corruption. Et puis, nèg je sais comme quoi, un pas dit rien, il aurait été comme conseiller. Il y a signé, il y a parlé, il y a rincé, radoté dans oreille moun nan figi moun. Je dis, hein, ou ap d'accord avec, parce que ou gen été on a le Gérald Gilles, ou gen été on a Smith Augustin, ou gen été on a Emmanuel et Vertiller, ou après je dis, hein, rapport ULC, ça son rapport selon même. Son rapport politique, pas vrai, et son rapport dit. Alors que nous d'accord que nous avons une institution étatique, nous yo. Si je dis, nous décidons de passer en papier ULCC comme institution étatique, d'accord avec les deux, mais si Dieu veut, ou après les ULCC, laisse ça. Faut songer que n'était pas celle en papier. Faut songer que
ou pas ba ULC c'est important ce côté de Bali hein. Faut ou songer que parce que y a produit un rapport qui a trois conseils qui c'est mon nom et ou t'es contre rapport ça yo. OK? Ou t'es contre rapport là, ou t'es dit que rapport ULCC1 c'est un rapport politique lié, li pa camper sous rien. Demain si Dieu veut, les que c'est pral moun pa ou pral alors pral gen on nous pral dit moun ça pour que ULCC agit, les que les ça ou pas dit rien parce que je dis hein ou râle drap pour couvrir quoi? Ça fait l'autre monde qui va couvrir hein. Et qui respecte cap gagner pour institution l'état nou yo? Qui respecte cap gagner pour boire l'état nou yo? Ndame ke nou dim ça. Qui respecte cap gagner pour boire l'état nou yo? Parce que les que je dis hein, parce que n'a défendre si intérêt mesquin nou. N'a défendre si intérêt tikoulout nou. N'a défendre si intérêt tiba vent nou. Nous prenons ULCC, nous prenons de l'autre institution, nous passons dans le papier. Et nous relayons KPT1, qui c'est la présidence, qui doit au-dessus de tout soupçon, a dit, lui doit enlever tout ça au capable de dire de la présidence. Les que six conseillers acceptent que vous siégez, vous chitez à bon côté trois conseillers, que nous citer dans scandale corruption vol les bras quelque ou yé je dis c'est comme si nous dit nous même tout qui c'est six conseillers nous c'est six volets nous c'est six raquettes même gens avec trois conseillers ça yo parce que sinon nous demandé trois conseillers ça yo que y aller devant la justice ou dit moi est-ce que qui ont démissionné mais le fait que Leslie Voltaire Lavalas même j'avais Gérald Gilles Emmanuel Bertile qui gère Racine, Lavalas. Fritz Alphonse Jean, Lavalas. Smith Augustin, ou ka balance le PHTK converti en Lavalas a yo. Mais les que je dis hein, nous accepter pour que nous accepter pour que nous faire compromis et compromission avec yo parce que nous besoin rester au pouvoir. Demain, si Dieu veut, les données ont changé. Les ça pas gagné plein. Les ça pas gagné plein. Les ça n'a accepté que, même gens que je dis, nous t'accepter et mes jeunes ont entendu avec eux. Demain, si Dieu veut, les que bagarre la vie est contre nous, les ça pas gagné plein. Trois conseillers, trois braquets, trois chiens de poche. Trois crasés cas de crédit. Je dis en là. Hein? Non, n'est-ce que bien les présents. Dans tous les médias en Haïti et même médias à l'étranger. Et bien, n'est-ce pas honte. Vous continuez à le siéger. Vous continuez à faire tweet. Vous pas honte tout. Vous avez signé dans le gros livre, ça, dans le cahier, ça. Jeudi 17 octobre, comme conseiller président, je ne sais pas si tu mettais volé derrière conseil. Il a fini de mettre non. Je ne sais pas si tu fini de mettre conseiller Emmanuel, conseiller Smith, et bien tu mettais slash braquet, et selon ILCC. Quand il y a jeudi, comment on peut se sentir confortable avec trois nègres qui sont impliqués dans la corruption? Trois nègres. Et. Yo pral gen emprisio, yo pral gen memisio sous toute institution kan nan peyen. Haiti, le jodi an conseil électoral provisoire la mete kanpe. Eh bien, m'ap tande sa kap di bon côté responsable et bay kap installé et comment et m'ap KPA. Yo cite notre annexe sa yo. Le Gérald Gilles, Emmanuel Ventilaire, Smith Augustin. C'est comme ça que je dis. Ça veut dire, trois nègres qui impliquent dans le scandale de vol et corruption, je dis, ils pourraient organiser l'élection. Et nous connaissons qui va les mauvais souvenirs que nous gagnons avec un pile conseil électoral provisoire qui passe dans le pays. Si je ne fais pas de défaut, pendant 10, je connais ou bien pendant
si il y a 4-5 conseils électoraux qui passaient déjà, m'ba kwe ge 4 si m'ba trompé, yo crié scandale corruption pour yo. Je dis, on pral vivre même réalité ça. Je dis, on pral vivre même situation ça. Est-ce que vous comprenez? Kou ne anon gade, ma bin sou ka epi atale kon sa. Anon gade Gaye Conny. Gaye Conny. Monsieur te, jan monsieur te de yo États-Unis, hein? Jan te nan Nations Unies à travers UNICEF, nan. Jan ke te ap gade Haïti, hein? Jan ke te kopren Haïti, hein? Li wè, lèl vini son le bagay. Haïti que l'te quitté depuis en 2011 et 2012, non? Que l'pa de jamais entré là-dedans, non? C'est dans la radio et télévision culturelle de Haïti, ça. Mais lè que l'on est depuis fin année 2023, li bra vin premier ministre, et bien il dit, ah, mon cher, pas un problème, non? J'en pas gala là, m'a café, m'a café, si m'a café ça. Et ça fait, lèl te rive Haïti, li mette un petit top sous lit. Il était les gilets pas bas, il met un petit top sous lui et puis l'entre dans blindé avec comment ça dit encore France LB, il a fait démagogie en bas la ville. Gaye Conny, monsieur vraiment prouvé que c'est un bluffeur. Gaye Conny vraiment prouvé que c'est un nèg qui fait show off. Gaye Conny prouvé vraiment son nèg, il croit dans lobby. Yeah, il croit dans lobby, il croit dans show off. Et son nèg qui cabé sous bluff. Et jodi an, réalité an a frappé Gaye Conny. Réalité an a démenti Gaye Conny. Ça que lui même était maintenant tête li, ou dit moi que ça que moun qui était dans entourage li, il était fait le comprendre. Est-ce qu'on a le dire? Parce que ouais jusqu'à présent gien pile moun qui était toujours croé avec Vini Gaye Conny gien des tiba qui capable fait mais en sérieux après presque après plus que 3 mois après 4 mois là qui sort ouais comme bilan Gaye Conny qui sort ouais comme bilan gouvernement là qui sort ouais parce que Gaye Conny gon seule chanson dans radio dans la presse que son la police qui sous-équipé pas gain effectif et Salvador et tel pays qui gagne plus moyen passé nous il prend des années avant que aujourd'hui de sécurité la caillou nous même quand nous en pi mal presque tout côté Gaye Conny passé l'a parlé même l'évangile ça Jean 3 verset 16 même l'évangile tout côté le passé Jean 3 verset 16 comme si pour Gaye Conny que il pas jamais connaît que réalité après plus que 10 ans, 12 ans, 11 ans que quitte Haïti, comme s'il pas jamais connaît ça. Il pas jamais connaît que la police a sous-équipé. Il pas jamais connaît que gros problème effectif. Il pas jamais connaît que secteur privé affaire haïtien, oligarque corrompu, secteur politique là et deux monde diaspora ensemble, yo mettez, yo créé ça bah comme insécurité. Yo amé ou ensemble jeune garçon dans pays hein. On est pas jamais informé de ça. Et pas dans le vin la connait comme si que insécurité li connait. Bon comme gars connait il pas fait bac. Mais jusqu'à présent bah ouais ça l'a fait à tout. Comme il pas fait bac. Bon pas connait pas fait bac si c'est des politiciens par lio. M'pa connait pas fait bac si c'est des KPT hein. Mais si c'est devant ça que là comme réalité hein, Gaye Conny ou menti. Gaye Conny ou menti parce que comme chef CSPN et comme ministre intérieur Koye, comme premier ministre Koye tout, je dis hein, poko gen rien qui fait pour exactement pour résoudre insécurité. Hein. Nous t'a dit que la police là, il change mode d'opération parce que Kounia nous est la police là et l'a fait une opération consolidation, les fumer une opération, les était dans espace ça menti. Nous mentons cou chien. Nous mentons cou chien. Parce que bagaille là c'est clair.
Sous qui parce que la police depuis 27 août, li dit que la mène l'opération, pas vrai? Dans Baden Magbeler. Et puis, jeudi 17 octobre, Bandi Kempes, Bandi Barbecue, yo décide envahir Mounsolino jusqu'à ce que